Yesuva Yodonam Bog Bogo Kwe Diva Divana Domnusa Mafia Jogbe the money. Je viens vous raconter une petite histoire, celle du coronavirus asséché. Asséché, et par qui? Et par Jésus. Ce virus existait-il à son époque? Voilà encore une de ces fake news, une de ces fausses informations qui encombrent au lieu de nourrir. Écoute plutôt, ma sœur, mon frère. Jésus venait de passer la nuit à Béthanie. Pour lui, la journée précédente a été éprouvante. Il avait faim et il voulait renouveler ses forces pour démarrer la journée. Il se trouvait devant un figuier. Celui-ci avait des feuilles, mais pas de fruits. Contrarié, il le maudit. Que plus jamais un fruit ne vienne de toi. Lance-t-il dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 19. Au lieu de le rendre sec, pourquoi Jésus n'a-t-il pas utilisé son pouvoir pour l'amener à produire instantanément des figues, de belles figues savoureuses, prêtes à être consommées? A-t-il pressenti que malgré ses feuilles, cet arbre était nuisible? On nous le dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Elles dépassent souvent notre compréhension. Et comme conclusion à cette scène, il recommande à ses disciples étonnés, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Cette parole m'a interpellé. Elle m'a inspiré cette méditation que je voudrais vous livrer. Chers amis, nous traversons une période difficile. Mais lorsque nous nous adressons à Dieu, sommes-nous partagés entre la foi et le doute? Notre foi est-elle en lutte avec notre intelligence, avec notre faculté à raisonner? Personnellement,
quand je considère à quel point l'Europe et les Amériques sont dépassées par la situation actuelle, j'ai peur. Et lorsque je me projette sur nos pays africains, je tremble. La plupart d'entre vous ressentent certainement la même chose que moi. C'est le signe de ma fragilité, de notre fragilité. Devons-nous pour autant céder à la panique et nous laisser abattre? Dieu notre Père nous aime tel que nous sommes. Face à cette crise sanitaire qui n'épargne personne, le corps médical et les chercheurs ont leur objectif. Trouver les remèdes appropriés et sauver des vies. Ils se dévouent et nous les soutenons par nos prières. Cependant, femmes et hommes de foi, pouvons-nous faire davantage pour les rejoindre dans leur lutte? Oui, j'en ai la conviction. Faire davantage, c'est demander à Jésus de réaliser ce qui a étonné ses disciples. Assécher non plus un figuier, mais ce virus qui se propage. Il paraît qu'il est agressif, difficilement maîtrisable. Mais notre Seigneur a l'autorité nécessaire pour lancer contre lui sa malédiction. Il a la force de le rendre stérile. Il a le pouvoir de l'aspirer et de l'anéantir. Notre ennemi est invisible. Mais il a un nom. Nommons-le et présentons-le à Dieu, comme le roi David savait le faire face à ses ennemis dans l'Ancien Testament. Chers amis, soyons fous et espérons au-delà de toute espérance. Unissons-nous donc dans la prière. Demandons avec foi, c'est-à-dire la certitude que le coronavirus est déjà asséché. Le Seigneur est merveilleux. Il saura nous répondre. Amen. Wamelele, watu dume, watu dume, kemi matoko, ya mode. Wamelele, watu dume.